Bonjour. Ici, j'ai deux graphiques qui sont pris de deux joueurs du circuit américain professionnel qui illustrent le mouvement latéral du dos lors du swing de golf. Donc, si on commence par le graphique situé à gauche, on voit qu'à l'adresse, le golfeur a une inclinaison droite vers la droite du dos d'environ 13,8 degrés. Ensuite, tout au long du backswing, jusqu'au haut du backswing, là où il y a écrit top sur le graphique, et au point le plus bas de la courbe verte, le golfeur a fait une inclinaison, un mouvement latéral vers la gauche, tel qu'au haut du backswing, il a une inclinaison vers la gauche d'environ 50 degrés. Donc, lors du backswing, il a fait un mouvement latéral vers la gauche d'environ 65 degrés. Arrivé haut du swing, le golfeur commence à faire un mouvement latéral vers la droite, de moins de 50 degrés vers la gauche jusqu'à le haut de la ligne verte qui est aux alentours de 42 degrés vers la droite. Ceci fait un mouvement d'environ 90 degrés. Et ceci est un levier très important dans le swing de golf pour pouvoir générer de la puissance. C'est également le mécanisme par lequel le golfeur parvient à garder sa tête stable tout au long du swing. Si on regarde ensuite le graphique qui est situé à droite, on voit que le golfeur commence dans une inclinaison vers la droite d'environ 15 degrés. Ceci peut s'expliquer par le fait, par exemple, que les hanches sont situées en avant de la cible par rapport au centre des épaules. Et ceci peut s'expliquer également par le fait que la main droite est en dessous de la main gauche à l'adresse. Mais le principe, une fois encore, reste pareil pour ces deux golfeurs. Donc on voit qu'ils n'ont pas les chiffres identiques, mais on voit qu'ils démontrent les mêmes principes. Et ceci est le cas pour tous les golfeurs, quel que soit le système, la méthodologie, quelle que soit la technique qu'ils sont en train d'essayer d'employer. C'est toujours les mêmes grandes bases. Donc ce golfeur à l'adresse a une inclinaison vers la droite de 15 degrés, arrivé au haut de son backswing, encore le point le plus bas de la ligne verte, il se retrouve aux alentours de 60 degrés d'inclinaison vers la gauche. Donc ce golfeur a fait un mouvement latéral vers la gauche d'environ 75 degrés de l'adresse jusqu'au haut du backswing. Ensuite, à nouveau, on a le mouvement latéral vers la droite qui commence jusqu'à un point où il est situé aux alentours de 50 degrés vers la droite. Ceci est notre grand levier, notre source de puissance. Une de nos sources de puissance. Si on regarde les deux graphiques pour regarder au niveau du pelvis, au niveau des hanches, on remarque que c'est très très similaire. Le golfeur fait un mouvement latéral vers la gauche jusqu'au haut du backswing, suivi d'un mouvement latéral vers la droite. J'espère que ceci clarifie un tout petit peu ce qu'est le mouvement latéral du dos dans le swing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.